Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi de mon côté, je me porte super super bien. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment est-ce que tu pourras gagner de l'argent avec Trousse Wallet. Vous avez bien entendu, vous allez gagner de l'argent avec Trousse Wallet. Je vais t'expliquer comment est-ce que tu pourras stacker tes crypto-monnaies et générer de l'argent. Alors peut-être le mot stacker, le mot crypto-monnaie te complique. Alors je vais tout t'expliquer dans cette vidéo. Alors si toi tu es intéressé par cette vidéo, ce que tu vas faire actuellement, c'est de t'asseoir au calme et de regarder cette vidéo du début à la fin pour qu'à la fin de la vidéo tu puisses appliquer ce que je vais te dire dans cette vidéo et générer de l'argent. Et si tu n'es pas encore abonné à cette magnifique chaîne frérot, je te recommande bien sûr de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer de mes prochaines vidéos, de mes prochaines astuces qui pourront te permettre de générer de l'argent peu importe où tu te retrouves. Alors là je me retrouve dans l'application Trousse Wallet. J'espère que vous avez une idée du portefeuille Trousse Wallet. Alors là vous allez vous rendre compte que j'ai quelques troncs dans mon compte et j'aimerais stacker ces troncs et générer de l'argent à partir de Trousse Wallet. Alors une fois ici vous allez vous rendre compte que je suis dans la partie TRX, donc qui est le tronc. Et ici en bas, il y a la partie où c'est écrit « Commencer à gagner ». Alors, on va cliquer dessus. Et ici, vous allez vous rendre compte qu'il y a un petit tableau qui vient de s'afficher. Vous allez stacker vos crypto-monnaies. Donc, les crypto-monnaies que vous avez dans votre compte, au lieu que ça puisse rester dans le compte, vous pouvez carrément stacker ces crypto-monnaies et générer de l'argent. Alors, vous allez me demander, vous allez gagner combien de pourcents? Alors, vous allez vous rendre compte qu'au niveau de APR, vous allez gagner 3,54% à 5,6% par année. Donc, à supposer que toi, tu viens de stacker tes troncs, tu as 100 000 $ de troncs. Et ces 100 000 $ de troncs vont te générer au moins 5 à 3% chaque année. Bien sûr, si tu n'as pas l'intention d'utiliser ces crypto-monnaies. Alors ici avec le stacking, vous allez me demander qu'est-ce que c'est le stacking. Le stacking c'est en soi, tu as quelques crypto-monnaies que tu n'utilises pas, tu as décidé de geler, donc tu gèles ces crypto-monnaies à partir de Trousse Wallet et Trousse Wallet va commencer à te reverser chaque année 3 à 5% de ces crypto-monnaies que tu auras stackées. Alors moi je cherche à stacker quelques crypto-monnaies ici, vous allez vous rendre compte que je cherche à stacker 941 troncs. Alors ici qu'est-ce que je veux faire? Je vais cliquer sur commencer à gagner qui se retrouve ici et ici je veux cliquer sur stacker. Et si je veux mettre le montant que je cherche à stacker, à part ça, il y a plusieurs validateurs. Donc, les validateurs, ce sont différentes entreprises. Alors, on va cliquer ici. Alors, ici, vous allez vous rendre compte qu'il y a plusieurs entreprises qui s'affichent ici. Il y a, par exemple, Trousse Wallet, Nantes, Binance et différents wallets qui s'occupent de différentes crypto-monnaies. Alors, moi, je veux stacker mes crypto-monnaies sur Trousse, Nantes. Vous allez prendre n'importe où, Tronlink, Transcal, ça dépend de vous. Mais moi, je préfère laisser ça sur Trousse, Nantes. Alors ici, qu'est-ce que je veux faire? Je veux mettre le montant que je cherche à stacker, 941 troncs. Alors les 941 troncs que je cherche à stacker, je veux commencer à gagner 3,54 à 5% par année. Alors je vais cliquer ici sur continuer. Alors ici, on me demande, vous êtes sûr que de stacker vos crypto-monnaies? Donc moi, 941, je vais cliquer sur continuer qui se retrouve ici. Alors ici, je vais mettre le mot de passe, mon mot de passe. Alors je mets mon mot de passe. Alors là, directement, je viens de stacker mes crypto-monnaies. Alors, si je rentre ici, je clique sur Trousse Wallet. Ici, au niveau de GL, vous allez vous rendre compte que j'ai 941 TRX, donc 3. Alors, ça peut arriver deux fois. Tu vas stacker tes crypto-monnaies et que tu cherches à récupérer tes crypto-monnaies. Alors, une fois que tu cherches à récupérer tes crypto-monnaies, vous allez vous rendre compte que si on cliquait sur gagner de l'argent, bien sûr. Ici, heure de verrouillage, il y a 14 jours. À supposer que tu as besoin de récupérer ton argent quand tu viens de stacker, tu vas cliquer sur déstacker, ça se retrouve ici. Tu cliques sur déstacker, tu mets le montant et puis tu valides. Alors, dès que tu valides, tu seras obligé de patienter 14 jours. Après 14 jours, directement, tu auras la possibilité de retirer ton argent. En soi, ça peut aussi t'aider si tu cherches à économiser de l'argent. Au lieu de mettre ton argent à la banque, tu peux carrément stacker ces crypto-monnaies. Et dès que tu auras besoin de ces crypto-monnaies ou de ton argent, tu pourras directement déstacker. Et quand tu déstacks, ça prend environ 14 jours. Donc, ça va t'apprendre en quelque sorte d'être patient. Donc, si tu as besoin automatiquement de ton argent, donc tu seras obligé de patienter pendant 14 jours. Voilà, c'est la petite façon que je tenais à te partager aujourd'hui. Donc tu pourras gagner ton argent avec l'application Trousse Wallet en stackant tes crypto-monnaies. Dis-moi ce que tu en penses dans le commentaire par rapport à cette vidéo. Si tu as des questions, des préoccupations frérot, n'hésite surtout pas à me les écrire dans le commentaire et je te réponds dans la minute. Et n'oublie pas de me laisser un gros pouce j'aime, ça me fera extrêmement plaisir et ça va permettre à YouTube de promouvoir cette vidéo pour toucher un max de personnes et leur permettre de générer de l'argent avec Trousse Wallet. Voilà, c'est déjà la fin. Et moi je te dis, on se retrouve dans une prochaine vidéo.